le Musée canadien de la guerre a récemment restauré un des rares Panzer V, l'un des meilleurs chars de la Seconde Guerre mondiale. Conçu pour affronter les très efficaces chars soviétiques qui étaient le T-34 et le KV-1, le Panzer leur était supérieur sur les plans de la puissance de feu, de la mobilité et du blindage frontal. Mais la complexité de ces systèmes de conduite et de suspension l'exposait à la panne mécanique. De 1943 à 1945, l'Allemagne produisit 6000 de ces chars terrifiants qui servirent sur le front de l'Est, en Italie et dans le nord-ouest de l'Europe. Ce char capturé fit partie du défilé du jour de la victoire en Europe à Ottawa le 8 mai 1945, puis fut envoyé à la base des forces canadiennes de Borden en Ontario, où il demeura pendant 60 ans. En 2005, l'armée en fit don au Musée canadien de la guerre, où après 4000 heures de travaux de restauration en 2 ans, il fut exposé publiquement en janvier 2008. Ceci était l'un des trésors du Canada. Partagez les vôtres!